Bonne nuit, bonne soirée et tout ce qui va avec. Et bonne journée, parce qu'on est quand même à journée de fin. Alors attends, vire au vent du coup. Est-ce qu'il est uniquement de type plante ou est-ce qu'il est de type... Je crois qu'il est que de type plante. En tout cas, la première c'est... évolution. Ouais, le deuxième, il est peut-être de type vol, mais lui... En fait, je vois plus à quoi il ressemble le premier. Je vais baisser le... Alors, raccourci, image... Il est spectre. En première évolution. Ouais. Alors du coup, dans le désert, les spectres, il y en a pas tant que ça. Hein. C'est vrai que j'avais fait la réflexion, si on est la nuit, on va se taper des fantominus tout le temps. Ouais, je vais regarder, c'est quoi la bouffe spectre. Plante. Bah non, mais si on fait le truc spectre. Ah oui. Putain, je sais plus où c'était. Le problème de spec, c'est qu'il faudrait du salé, quoi. Je sais pas si t'as farm, mais... Bah, j'ai farm, mais après, ce que j'en ai eu, c'est non. J'en ai qu'une, donc c'est mort pour moi. Faut que je fasse le sandwich de base. Enfin, le sandwich de merde, c'est ça. Ah, quoique, un salé et un acide pour petite plante. Je peux tester les petites plantes. Ça, il est dans la zone industrielle au-dessus du champion électrique, quoi. Donc si c'est le seul type plant du coin, je peux tester. Du coup, on va dans la forêt. Dans la forêt, dans le désert. Je suis allé au-dessus de la championne électrique, moi, pour voir. Ok. C'est le petit bout de verre qui est au-dessus, là. Oh, c'est toute la zone de terre. Ah, toute la zone de terre, y Donc, en a ça se trouve, si on fait le truc de type plante, on n'aura que lui, tu vois. C'est ça que j'ai envie c'est de tester. Pas. Ça part. Et vu que le sandwich de type plante, il faut juste un seul truc salé. Avec un peu de chance, ça devrait être bon. Pique-nique. Alors, pour le type plante, il faut de la laitue. Donc, une de laitue. Épices salées, épices acides. Allez, il m'en reste 5. Acide, ça. J'en ai 18, ça c'est bien. Acide, c'est le truc qui donne le plus, pratiquement. C'est pas là où j'en ai le plus, pourtant. C'est peut-être amer, hein, entre deux, mais... Ah ouais, je sais pas, c'est peut-être amer. Hein. Le sandwich du pauvre, quoi. Allez, c'est parti mon kiki. On graille le sandwich avec que de la salade dedans. Alors, est-ce qu'il va y en avoir ici du coup? Ah. Ouais, il y en a plein. Quand je dis il y en a plein, j'en vois qu'un, mais... Y'a pas que lui qui pop, y'a quand même Vrombi, qui est type acier. Je crois que ça recommence. Ça a planté? Ah non, la télé. Ah non, la télé.
Oh, je peux mettre en auto, c'est trop bien ça. Je le désactive si possible de... Ah non, ça recommence bien. Ok. Faut pas tellement gérer. Hein. Mmh. On va prendre la chance. Pourtant, il était allumé toute l'après-midi. Ouais, je l'ai juste éteint pour faire le test. Non, parce que aussi, Streamlab, c'est sombre, donc je me rends pas compte. Ça aussi, c'est sombre. Ouais, super. Streamlabs, du coup, c'était mon écran de stream, c'est ça? Ah non, c'est Streamlabs, mais juste pour le chat. Ouais. Ah, mais tout est en sombre. Ah non, YouTube. Salut Sukuna! Yo Sukuna! Comment tu vas? Du coup, c'est quoi déjà le shiny? Il est comment? Il a des branches blanches en haut et il est vert en dessous. L'espèce de petit truc qu'il a rouge. Ça va et vous? Ça va, hein, tranquillement. Bah, tu vois, si t'en as deux côte à côte, ça se voit facilement, je pense, le blanc qui n'est pas... Ouais, parce que le problème du vert, c'est qu'il faut vraiment être du bon côté pour le coup. Mm. Pour le voir. T'es obligé de te focus un peu sur le blanc. Il faut juste espérer qu'il y en ait deux côte à côte. Il y a Brombi, moi, qui a pop, mais ça doit être un Pokémon qui pop obligatoirement, tu vois. Comme les pommes, un certain moment. Ah, je sens que ça va être chiant, cela. Alors déjà, je vais éviter de mettre mon légendaire, parce qu'il prend toute la map. Mais non, mais si. Ça va, Chronix? Ah, attends. Comment le tège? J'ai mis qui? Allez, on va mettre lui. Et il est bloqué dans le barbelé. Ouais, ils sont juste poussés par le vent, donc ils peuvent pas bouger comme ils veulent. Putain, il y a les ombres, ça va être chiant. Les ombres. Ouais. C'est ce que c'est le nom. Ouais. J'ai mis du temps à comprendre le mot. Putain, non, attends. Jamais, hein. Attends. Qu'est-ce qu'il a dit? Je t'ai entendu au sujet de ma mère. Quoi de neuf, Chronix? Celle-là va bien être casse-couille, moi je veux dire. Ah ouais? Bah, faut juste prêter un peu plus d'attention que la normale, quoi, j'imagine. Mais en plus, si pop en basse, tu vas trop près du barbelé. De t'éloigner. Ah, c'est la merde. Est-ce que dans le désert ce serait pas plus simple? Dans le désert, il a la même couleur que le sable, quoi. C'est le souci. Ouais, faut juste trouver un truc plat, un endroit plat.
Ah, il y a des vroom vroom aussi. Ah putain. T'as tapé un faux bombe ? Ah non, t'es bon, t'es dessus. Vas-y, merci et bonne soirée, Sukuna. Ah, Sukuna. Aïe aïe aïe. Ils ont tous des bouts blancs. Il est beaucoup plus blanc, quoi. Enfin, il est pas blanc blanc, mais il est beige, quoi. Oh, mais il est déjà beige. Bon, du coup, on en parle du foot. On a encore gagné contre la Belgique. Pour la 150e fois. Voilà, j'ai pas regardé le match. Il est en mode ça vaut plus la peine. Non mais la Ligue des Nations c'est ce qui remplace les matchs amicaux. Et juste il y a certains pays qui arrivaient pas à trouver des matchs amicaux, du coup ils ont créé la Ligue des Nations comme ça tout le monde a des matchs. c'est tout. Et ça c'est juste des matchs amicaux avec un trophée à la fin. Quoi. De toute façon, les Belges, ils savaient faire autre chose que les prêtres, ça se saurait. Ah, si, ça. Non. Si. Bah, non, les Belges ne sont pas une race différente, ils sont humains. Mm. D'ailleurs, le mot raciste est. En termes. Pas bon. Parce que ça voudrait dire que. Les blacks, les chinois, tout ça, c'est d'une autre race, alors que ce n'est pas le cas. Fais chier, toi ! Sale bête ! Allez, hier, tu sais, quand je t'ai dit, ouais, il y a un truc qui volait proche de moi, là. Ouais. Il m'a dit ouais, pas c'est possible que ça soit un moustique à cette période là. Bah non hein. Ah bah ma bite c'était pas un moustique hein. C'est un moucheron t'as dit hier. Bah je pensais aussi mais non. Il est bel et bien un moustique. Est-ce que t'as des boutons? Non mais... Alors ça m'étonnerait qu'un moucheron quand ça passe à côté de ton oreille ça fasse comme ça là. Regardez ma petite vidéo tranquillement et bzzzt, j'ai fait oh putain. Oh coup, putain toi fait... je me le fais. J'ai pas fait de chasse au shiny mais j'ai mis 2 heures pour une chasse au moustique. Je unfollow et pars chez Kuzoko. Mais c'est pas moi, c'est Kuzoko qui a dit ça. Non. C'est pas moi qui ai dit que à part faire des frites ça va rien faire. Mais j'ai juste dit qu'ils étaient nuls au foot, mais ça a fait. Je vais descendre là, les zombies me font chier. Ça sent la chasse éclatée là. Mmh.
Et généralement j'ai du flair pour ce genre de truc. Ça sent la chasse comme Pimito. Comme par hasard un Pokémon plante. Hein. Il est pas voyant. J'ai même pas vu. Bon après Pimito était pas voyant tout court. Hein. Oui. Donc ce qui était encore plus problématique. Oh bah au milieu il pop par 10. Non. L'équipe qu'on a est juste à pleurer de rire. Un gros joueur veut même plus jouer en national à cause de l'entraîneur qui fait n'importe. Oh bah, le gros joueur il veut pas jouer aussi en national, il préfère aller faire des problèmes autre part. C'est pas mieux. En fait s'il a pas été content d'avoir été vu en Suède, c'est à cause de ça, tu vas voir. À cause de quoi? T'as pas entendu le... la plainte ouais, qui a été portée alors... contre lui? Mais entre ce qui se dit sur les joueurs de foot et tout, malheureusement... Ouais, c'est comme tous les gens... Tous les gens qui sont riches. Ouais, voilà. Franchement, ça va prendre avec des pincettes de baiser. Ouais, le temps que c'est pas prouvé et jugé, on peut rien dire, quoi. C'est facile, hein. De dire qu'un tel ou tel joueur de foot a fait ça... C'est la facilité pour... Je déteste Mbappé, hein, mais... 80% des trucs comme ça sur les joueurs de foot, généralement ça aboutira. Ça se trouve au contraire, personne n'aurait su qu'il aurait été en Suède, il aurait rien eu parce que une femme n'aurait pas porté plainte en mode. A voir si c'est vrai. Seules les analyses et de ça diront. Dès qu'il y a du fric à se faire, bizarrement, les langues se délient. Ça, c'est malheureux, mais c'est vrai. Et ça apporte pas du tout... honneur, enfin, aide aux personnes qui ont vraiment ce genre de situation, tu vois. Si c'est du faux à chaque fois... les personnes qui ont vraiment ce genre de situation, les pauvres, quoi. Plus personne les prend au sérieux. Ouais, puis de toute façon, les joueurs de foot, quand ils ont des relations, t'inquiète pas qu'ils font bien signer un papier avant. Je crois que j'ai vu ça en plus, ouais, dans des séries et tout, ça avait été repris, ce truc. Les joueurs qui doivent signer un truc. Bah, t'as pas vu en France, il y a des associations... contre la violence sexuelle et tout ça. Mmh. Ils veulent que ouais, à l'heure aujourd'hui quand t'es accusé de viol, c'est la personne qui s'est fait agresser qui doit prouver qu'elle s'est fait violer. Mmh. Eux ils veulent faire passer en mode maintenant c'est quand t'accuses de viol, c'est à toi de prouver que tu n'as pas violé. Vas-y, va prouver ça. C'est pour ça que la population vieillit, les jeunes ils ont de plus en plus de mal. Mais oui, mais en fait, il y a tout qui est fait pour que les mecs n'aient plus envie en fait. Et bientôt, à chaque fois que tu vas faire l'amour, il va falloir que tu fasses signer un papier à la meuf. En fait, j'ai envie de dire, ok, c'est au gars de prouver qu'il l'a pas fait. Mais le truc reste le même. Il n'y a que sur la femme que tu peux analyser en fait. L'ADN, tout ça. Donc, dans tous les cas... Je suis pas spécialiste du sujet. Après, si c'est un homme qui a subi le sévice... L'ADN est facilement retrouvable sur la péniche. Mais après...
Dans tous les cas, l'analyse doit être faite sur la personne qui a subi le sévice. Et dans ce cas-là, bah... ça devient compliqué à partir du moment où t'as porté plainte et où l'autre a dit « Ah non, non, mais je refuse qu'on fasse des analyses. » Ah bah dans ce cas-là, toi, t'es baisé. Quoi. Tu peux plus prouver que... c'est faux. Après oui, pour le fait que les hommes n'osent plus, j'ai déjà tenté plusieurs fois hein, au château, et dans tous les cas, les femmes te regardent d'une façon, pas avec des collègues, hein, mais avec des visiteuses, où tu veux juste faire la discussion, tout ça, pour commencer, et où te renvoie chier, mais comme... comme un malpropre quoi, alors que tu dis juste bonjour, enfin... Je vous ai remarqué, c'est même, vous avez... Ouais, vous êtes... Le premier pas après, hein. Tu vois, c'est... c'est contradictoire dans tous les sens, quoi. Oui, de toute façon, qui restent dans leur délire. Bon, la France deviendra comme la Corée, avec plus de 50% de la population à 60 ans ou plus, ils réfléchiront. Puis d'un autre côté, il y a aussi le fait que... certaines choses qui arrivent dans le pays, t'as pas forcément envie de faire des gosses ou de rencontrer des gens. Tu t'aimes bien rester dans ta bulle et vivre ta vie comme tu le souhaites. Wesh, un flamant roule qui s'y prend ici. Je me suis mis à un endroit, il y a le vent qui va dans le même sens tout le temps. Et du coup, ils viennent tous à moi. J'ai juste à les buter. Donc, la vitesse à laquelle ils vont, tu vas diviser par deux ton nombre de... Non, bon, je marche quand même, tu vois, le long du mur, parce qu'ils... le temps que j'aille du côté d'un mur, ils arrivent de l'autre côté, tu vois. Mais, j'ai vraiment que ça, quoi, y a pas de vombi, y a pas de flamant roule, ça. Oui, je te montre là où je suis sur la map. Non, t'inquiète, j'ai mon petit pattern. Ça se trouve, il est gaze. Mais... ah, d'ailleurs, tu me dois des shiny ou pas? J'ai un Mimitos. Non, j'en ai aucun. Pourquoi? Ah, c'est pour ça. Et d'ailleurs, j'ai trouvé comment l'échanger le Mimitos sans me connecter et perdre la connexion. Du coup, enfin, le raid. Je vais le mettre dans la Pokébank et je vais l'envoyer dans l'autre jeu parce que l'autre jeu, je m'en fous de me connecter. Ouais, c'est vrai. Comme ça, je l'ai envoyé en échange. On peut pas équiper les herbes. Les herbes. Quand tu fais un échange, donner l'herbe au Pokémon que t'échanges. Pas sur la Pokébank, je crois. En échange miracle, tu peux donner, mais sur la Pokébank, en fait, ils gardent pas l'objet. Parce que passer un objet d'un jeu à un autre, alors que c'est pas forcément les mêmes objets, des fois, ça marche pas. Ouais. Et c'est dommage, parce que du coup, tu pourrais t'envoyer les épices en farmant sur les deux jeux. Non mais il me faudrait deux switches pour que ce soit rentable, tu vois. Deux switches, 200 balles. C'est que j'ai souvent hésité à m'acheter une petite Switch Lite pour compenser. Hein. Ou ouais, deux switches en même temps. La Switch Lite, c'est rien du tout. Voilà quoi. Ça me fait deux consoles, pareil. Ça dead au bout de 6 mois. Bah ouais, c'est les... c'est quoi, c'est les manettes ouais, qui fonctionnent plus. Bah, tu peux pas changer les manettes, ça c'est sûr. Ils sont accrochés. Avec leurs manettes pas de qualité. Après, je dis ça, je dis toujours pas changer, moi. Moi j'ai jamais eu à changer, j'ai un petit Joy-Con Drift. Mais sinon... après, j'ai jamais aimé jouer avec ces manettes-là, à part pour les jeux comme le bowling et tout ça, parce que bah... t'as vu mes mains. Bah, de toute façon... déjà que pour les gens normaux, c'est petit. Quand j'ai acheté la Switch et que j'ai entendu tous les problèmes avec les joysticks, j'ai direct pris une manette. C'est pas que ça tête. Du coup, je m'achète une manette normale, tu vois, une manette pro, puis voilà. Ouais, voilà. Là, j'ai ma manette pro Zelda qui est morte au bout de. 5 ans peut-être. C'est quoi 5 ans dans une vie? Voilà.
5 ans pour une monnaie, c'est pas mal quand même. Surtout quand tu vois comment je l'ai balancé et tout. T'as le rageux. C'est qu'en plus je la balançais pas au sol comme ça, je la balançais juste par-dessus mon épaule, genre je forçais pas vers le sol, tu vois. J'étais en mode dépit, j'étais en mode... Ouais. Enfin, elle tombe quoi. Ouais, voilà, elle tombe juste. Bah elle, tu la fracasses pas au sol, tu la balances juste. Ouais, c'est pareil. La fracasser, elle se répétait d'un coup quoi. Alors que moi, mes manettes de PS2. Je les ai depuis 25 ans. Ah mais les manettes PS2, elles ont jamais... Moi j'étais pas un jeu à l'époque. Intentionnellement ça. Enfin, ça veut dire moi. Moi, peut-être qu'il y en a quelques-unes qui ont été pétées, mais tu sais, c'est des BZ et tout ça là quand tu tournais les joysticks. Bon, ouais. Non, moi c'est quand je tournais la manette du 5ème étage et qu'elle faisait 10 tours avant de toucher le sol quoi, c'est tout. C'est la seule façon dont t'allais vite, hein, c'est cool. Dans ta petite cour là. Ouais. Oh putain. C'est vrai que t'habitais tout en haut toi putain. Ouais, j'habite toujours tout en haut. Oui. Mais là-bas, c'était spécial quand même. Ah, c'était bien. Bah, t'as des bons souvenirs parce que tu vis là-dedans, mais si tu compares, t'avais pas ta propre chambre, tes parents ils devaient passer dans ta chambre pour sortir. Bah, c'est comme moi, regarde l'appartement que j'avais au château, il était génial, il était gigantesque. Mais ma chambre, je la partageais avec mes frères, il y avait aucune intimité de chaque côté, quoi. Genre vous veniez dormir, on était obligé de se coucher en même temps que mes frères. T'es pas venu souvent dormir chez moi toi d'ailleurs. C'est souvent moi qui venais chez toi. Ouais. En même temps t'es celui du milieu. Ryan et moi on venait chez toi. C'est vrai que j'étais oublié tout à l'heure. Ryan et moi on était loin de l'autre, je sais pas. On venait squatter chez toi quoi. Je me rappelle des soirs on allait Plassoche et puis on était là en mode et on va demander à tes parents si on peut dormir. Ouais, surtout quand j'étais Rioche, hein. Rioche c'était ah mais là ah oui Rioche ouais rue Carnot ah oui en face de la boulangerie là. Ouais cet appart il était waouh. Tes parents ils devaient être un peu moins waouh par contre parce qu'ils dormaient dans une dans un recoin quoi quand même. Non, tu t'es fou, toi. Leur chambre, elle faisait la chambre de mon frère, puis la mienne réunie. Juste au bout, il y avait... Oui, il y avait un renfoncement, quoi. On s'en fout, c'est là où il dormait. Oui, voilà, c'est ça. Il devait se cogner la nuit. En plus, l'appart, pour le coup, il l'avait fait de A à Z. C'était tes parents qui l'avaient fait ? Ouais. Oh ! C'est pour ça que vous avez récupéré assez pour acheter une maison dans le Nord, du coup. Bah ouais. C'est un millionnaire de Milan qui nous l'a acheté. Wow. Vous auriez pu faire quand même quelque chose pour les escaliers, ils arrêtaient pas de craquer quand on essayait d'aller jouer à la play. Non, ça s'était fait exprès, ils avaient anticipé. En mode nanana. On veut savoir quand vous descendez. Ah, il fallait juste calculer quel est lesquels craquer et c'était. Et où placer le pied. Les gars ils étaient devenus des pros pour truander quoi. Ah frère, moi je savais. Hein. 3ème, 7ème, 10ème marche. Il se souvient toujours. Celle-là déjà vous les touchez même pas. Mission impossible, c'est ça. Ah putain, c'est pas une vie moi je vous le dis. Et puis t'avais chez moi, aussi mes frangins disaient rien, mais on pouvait jouer toute la nuit parce que la chambre de mes parents était à l'autre bout de l'appart. Ouais, pas le coup. On pouvait même se mettre dans la... Dans le salon, on ouais. On pas pensé, mais dans le salon. Moi genre quand je tournais mes vidéos à l'époque j'allais dans ma cuisine quoi le soir c'est bon.
Ouais, juste... Ah. T'as tes liquides, viens. Je peux pas monter ma... Pratique ça. Ah, par contre, il venait se servir à boire ou un truc comme ça, parce que bah, la cuisine était juste à côté de notre chambre, mais sinon... Shiny, toi ? Shiny, j'en ai un. GG. Ouais, ça se voit un peu, tu vois, c'est... Y a un truc différent, quand même. Et moi, je t'annonce que j'en ai pas. Ouais. Ah, je peux pas lui faire fauchage, il est type spectre. Pff, 27, frérot, avec une Pokéball, ça rend. Et le vert, il se voit bien ou pas ? Très peu. J'ai vu direct la différence avec le blanc, et il est un peu plus rosé, tu vois, sur le... Le truc, mais sinon... Il reste combien? Il reste 3 minutes, putain! J'aurais pas pu pop avant. Maintenant j'ai plus de salé, il va falloir que je fasse à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Comment ça, non? Si. Il est lent, ton... pomme, t'aurais dû prendre un plus rapide. J'ai pas de plus rapide. C'est parce que tu l'entraînes? Ouais. C'est pas pratique la nuit. Bon, le blanc il ressortira peut-être un peu plus la nuit, faut voir. Je sais pas, tant que je l'ai pas vu. En vrai, si c'est du bon côté, le vert, ça peut se voir. Moi, c'est juste que j'étais de l'autre côté. Quand il roulait. Ouais, parce que moi, j'essayais de passer tout le temps derrière eux. C'est ce que je me suis dit, le vert... C'est, pour le coup, c'est une couleur qui change. Donc... Étonnamment, je l'ai repéré grâce à son blanc. Comme j'ai dit, il y en avait à côté, donc ça, la différence a frappé à l'œil quand même un peu. Secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1, 0. Alors est-ce qu'un de ceux qui a là est shiny au moins?
Nine. 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 Oh oui, on fait bien de pas mettre le truc de spectre. Hein. Il y a plein de fantominus là. Même si un ectoplasma, c'est pas de refus, hein, mais. Ah là 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 là. Alors, pique-nique. Ça y est, c'est la fin. Alors, faisons le sandwich spécial sans sel. Je reviens. Vas-y, vas-y. De la laitue, ok, donc on va mettre laitue, tomate, oignon blanc, poivron vert, et j'enlève les poivrons, ça fait quoi? Non, donc faut mettre un poivron. Et j'enlève les tomates. Non, faut mettre les tomates. Et les oignons, faut mettre les oignons. Ok. Bon, on est obligé de tout mettre cette fois-ci. Ouf, ça va être chiant. Ok, ok. Complicado, mais... pas besoin de mettre le steak. Du coup j'ai mis quoi? J'ai mis amer écorcé. Écorcé, ouais. Et je mets amer et acide. Ça compte quand même, ok. Alors, comment on va donc commencer notre truc? Les poivrons. Sort pas mal, hein.
jeudi. Il y a un petit chaton là. Heureux. Heureux. Ah, ça a été piqué de la bouffe. Ouais, un petit Kinder. Hop là. Ah bah non, du coup j'ai reset, je suis un connard. Ouais, t'es un connard, tu conserves tes épices salées quoi. Alors que moi j'ai eu un shiny, j'ai pas pu. C'est le gars qui est pas content. Ouais, casse-couille. Ah bah vas-y, ouvre tout dans mes oreilles, je te dirai rien. Bon bah ouais, allez c'est merde. Oh mon chien, vous merde. Aïe sa grand-mère ouais. Bien trouvé. Alors là, tu vois par exemple l'écran, il saute plus. Tu sais, il fait plus des. Ouais, le son ouais, lumineux, son lumineux, son lumineux. Ouais, mais juste. Deuxième shiny. Ah, GG. Mais juste, je sais pas comment dire. Juste, tu vois, la luminosité, je peux plus la régler. S'il est la baisser en luminosité, je peux plus l'augmenter, plus la baisser. Je pense vraiment que c'est juste les LED qui sont dead. C'est possiblement ça. En fait, je crois que je vais demain, je vais aller à Boulanger. Je vais choper un mec, un vendeur. Wesh, Emma. C'est un psy un psy minus. c'est un caï minus qui s'est transformé. Ah, il s'est TP le bâtard. Et je vais choper un vendeur et je vais aller le voir, je vais dire voilà, j'ai acheté un écran il y a 10 ans. Bichui. Bichui toi-même. Et je vais lui dire vous me conseillez quoi minimum de la enfin de la même qualité, tu vois. Ouais, au minimum de prix. Ouais. Non, le prix je lui dirai pas, mais en mode pour que j'ai la même qualité, tu vois, pour que je puisse jouer, ah, c'est quand même de la 4K, je sais plus il a combien de Hertz, lui. J'avais parlé de 300 Hz, non, entends ça. Non, ça c'est mon écran 275, c'est mon ouais. Écran de gaming. Ouais, gaming. Celui-là, je l'ai acheté il y a un an, je peux te dire qu'il était sous garantie. Ah, c'était pas là que je voulais me TP. C'était là. Et je vais voir ce qu'il me propose. En vrai, le minimum là, c'était les là, ça me va, tu vois. Même sur code, j'ai pas de latence, tout ça, donc. De toute façon, ça sert à rien que j'ai plus de 120, parce que la PS5 suivra pas après. C'est ça, hein, la PS5, c'est 120, je crois. Ouais. Ça ira jamais plus aucun PC, quoi. Comment ça va, Matt ? Il faut de la 4K à 120. Et après il me faut juste du USB de ça. Mais j'ai peur qu'il me sorte des écrans trop gros parce que déjà le mien il est un peu haut. Oh non, un petit écran ça peut faire la 4K. Hein. Il fait quoi mon écran moi? Il y a marqué en bas. Ouais mais toi c'est un écran PC. Ouais. Ça peut servir d'écran télé aussi. Je veux une télé parce que je veux pouvoir me poser dans mon lit et regarder des trucs. C'est ce que je veux dire ou pas? En mode être en loin. Mode, si je vais me mettre un stream, mais j'ai pas besoin de mon casque pour regarder et écouter. Ah mais moi le son il sort de l'écran. Ah.
fait pour moi, un écran... Un écran d'ordi, ça sort pas de son. Faut juste bien régler le truc, mais maintenant les écrans d'ordi ils sortent tous du son. Mais... Ah ouais. Ah, le mien je crois il sort pas. Hein. Merde, j'ai annulé mon sandwich. Ah bah bravo. Suivant, c'est... On a dit quoi? Acide et salé. Acide et salé, ouais. En fait, ça te fait une vinaigrette, quoi. Donc au final, la salade dans le pain... Voilà. Si tout va bien, demain j'envoie le cadeau de Matt. Ça fait quoi, ça fait une semaine que je Donc demain il l'envoie pas. Mais je passe pas devant une poste. Et quand je finis le boulot, bah les postes elles sont toutes fermées. Mais excuse tout ça. Ah, faut juste que je parte un quart d'heure plus tôt de chez moi, quoi. Ça, je comprends. Et encore un quart d'heure s'il n'y a pas de monde à l'intérieur. Quoi. Tu vas à quelle heure au taf? Moi, je pars vers midi moins le quart. Oui, personne. Je peux te garantir que, à part si t'arrives à l'ouverture pile 10h, ils peuvent pas se croiser. Ouais, c'est ça en fait. Les fonctionnaires ne peuvent pas se croiser. On commence tous en même temps et on finit tous en même temps. Les fonctionnaires ne peuvent pas aller à la poste du coup. Sauf les jours de congé. Et mon prochain jour de congé, c'est samedi. Et le samedi, ils sont ouverts que le matin, je crois. Ça doit dépendre des poches, je pense. Et là, il faut qu'ils finissent par le matin. Je me lèverai jamais le matin pour Matt. Voilà. Je l'ai dit. Il a dit, j'ai pas besoin de le dire. Non, les samedis matins, compliqué. Ah ouais. Hein. S'il a passé 10 heures de sommeil du matin. C'est ça, quoi. Un mois après pour 3 sleeves de Pokémon, il peut attendre. T'as envoyé au Michi? Mais non, toi, Matt. Ah, les 3 sleeves de Pokémon. Ah oui, oui, pardon, oui. Ah, putain, mais t'as dit le cadeau, mais fallait pas. Ah, ça y est, t'as dit la blague. C'est bon. Mais non, mais. Même un enfant de 10 ans, il serait plus tombé dedans. Ah là, je vous jure, faites des gosses. Fait des grosses. J'ai envie d'ouvrir des boosters, mais je peux pas parce que... J'ai plus d'argent. qu'on se le dise, hein. Là j'achète un écran, en un mois j'ai acheté 1600€ de permis, 450€ de play, et là je vais sûrement débourser approximativement 500 à 600€ d'écran. Le mois de novembre, là je vais acheter Black Ops 6 là, fin octobre. C'est pas le seul dépense quoi. Non, le mois de novembre, il n'y a pas un seul centime qui sort de mon compte. Voilà, pour Call of tout de suite. Et c'est il sort le fin octobre, Call of. Ah. Vous avez de la chance, j'ai pas entendu.
Ah, oh, mais il a raconté des bêtises en plus. Ouais, j'ai spoil ton cadeau, mais bon. Ah, c'est trop. Ah, j'aurais, j'aurais su pour mon écran, j'aurais pas acheté la PS5. Ah oui, du coup, c'est sur cet écran que tu joues. Bah, surtout que 450 balles, je le mets dans mon écran, quoi. Ouais, père, ouais, plutôt que dans la PS5. Bah ouais. J'en ai besoin, moi, de mon écran pour taffer. Ou sinon, il faut que... Si je peux pas avoir mon deuxième PC allumé. En fait, je peux en avoir que deux. Un d'allumé. Okay. Puis même pour stream. Quand tu stream, t'es dépendant de la batterie de ton téléphone. Ça. Avoir une prise à côté, quoi. Ouais, ce qui est pas mon cas. Tu veux que j'emmène ma rallonge comme d'hab? Ah, on va acheter l'écran. Et pareil, tu vois. Bah, ça dépend ce qu'il me dit. Si le mec il arrive à me trouver un écran à 300-400 balles, je pense que j'en prends tout de suite. Hein. Et comme ça. Il en faut un petit par contre. Ouais. Pas comme les miens, quoi. Je crois que ça dépend celui du mien, quoi. Pas plus de 32 pouces, quoi. C'est pas de l'incurvé, toi, que t'as d'ailleurs, si? Hein? C'est de l'incurvé que t'as ou pas? Non, non, t'es en ouf. Tu veux dire l'écran et il ouais, c'est tordu, ouais. Demi-cercle, là? Ouais. Non, non, ça c'est de la merde, jamais j'achèterai ça. C'est vraiment les pires écrans du monde. En fait, ça dépend à quoi tu joues. Mais bon, pour les FPS, c'est vraiment ça pue sa merde. Ah ouais? Ça t'a induit en erreur sur des trucs? Bah, qu'est-ce que t'en as à foutre d'être en immersion dans le jeu, tu vois? Justement, quand tu joues en FPS, t'as besoin de voir tous les angles de ton écran. Enfin, ça après, dépend quand à quel sens jeux, tu mets. Des jeux de voiture ou quoi que ce soit, ça te rend style, ça te fait comme si t'étais dans ta voiture, tu vois? Je peux comprendre. Mais un FPS, c'est mieux d'avoir un écran plat. Un écran plat est pas trop grand. En tout cas, ouais. Moi, les FPS, quand j'y jouais, c'était sur petit écran. Parce que quand j'y jouais sur grand écran, bah, j'arrivais pas. Ouais. J'avais toujours ma petite télé. Mais le maximum, vraiment, c'est l'écran de ma télé. Parce que là, quand j'étais sur leur site, j'ai fait filtrer, frérot, ça n'existe pas. Hein. Donc bon, j'ai un peu peur quand même. Les petites télés? Petite télé en 4K avec un minimum de Hertz, c'est compliqué. C'est peut-être les Hertz le problème. 4K, ça peut se trouver. Je sais pas. Ça, on verra. Le problème, c'est que si je prends un écran PC, comment je fais pour... Si je mets du son, tout ça, je suis H24 obligé de mettre un casque. Je t'assure que tu peux faire sortir du son d'un écran. Hein. Ouais, je suis pas sûr de cette info. T'es sûr que c'est pas une télé, toi? Bah... Pour moi, justement, c'est ça la différence entre un écran d'ordi et une télé. Un c'est écran Yama. D'ordi, t'es obligé d'avoir dans des enceintes. Remarque, moi, le son il sort d'un seul écran et pas de l'autre. C'est peut-être. Pas peut-être parce que les deux sont reliés au même PC. Donc c'est bien foutu, peut-être. Alors c'est kit ou double? Qu'est-ce qui est kit ou double? Les Yama, ça sort de l'écran. Ouais, c'est ça. Mais Yama, c'est bien un écran PC. Et l'autre que j'ai, il n'a pas le son de base. D'accord. Ouais, donc les Yama c'est bien écran PC. Après, est-ce qu'il existe des Yama en 4K? Parce que moi je sais pas s'il est 4K le mien en vrai. Un MS, c'est marqué dessus, 16.5. Le problème c'est des Yama.
à 4K avec où j'ai pas besoin de plus de 120 FPS de toute façon, parce que au pire je joue que à la play sur l'autre écran. J'ai déjà un Yama en 2K. 2K c'est qu'est-ce ? Sans vouloir vexer ton écran. Je me suis toujours contenté de 1080 moi. Il y a très peu de jeux qui jouent en 4K. Bon. Ah mais même pour les films et tout. Oui. Tu perds en FPS quand tu joues en 4K, a priori. Possible. Bon, de toute façon, je verrai ce qu'il me propose. Ouais. S'il me propose. Bon, qui nique leur mère les shiny, voilà, c'est bon, c'est dit. Toujours pas, ouais. Ah non, frérot. Ils sont en train de dormir devant le PC, ouais. De toute façon, quoi qu'il arrive, on réparera mon écran. C'est juste des LED à changer, ça va coûter... HDR qui font la nif. Ouais, la connectique. Boulanger. Télé. Attendez, je mets pause. Par exemple, si je filtre, trier, on va mettre par ordre croissant. Reconditionner, c'est de la merde, donc je mets 9. Taille, moi idéalement c'est. 32 pouces, t'avais dit, chou. 24, 28 et maximum 32, c'est la taille du micro. Connectique, il faut. Port USB, je pense que c'est quand même important. Et HDR. Ils ont pas HDR. Bah, l'HDMI quand même. Ouais, c'est ça, l'HDMI. Il y a HDMI ARC et CEC. Je sais pas c'est quoi la diff. Je mets les deux. Options. AirPlay, tout ça, je sais pas ce que c'est. Ah si, HDR, là je l'ai. HDR. Il y en a plus que. Je suis déjà à 5 écrans. Hein. J'ai déjà limité à 5 écrans. Mmh. Série. On s'en fout. Notre sélection, on s'en fout. Technologie. Tu vois, déjà, technologie, j'ai plus la 4K. Définition. J'ai pas la 4K non plus. Application, Netflix, tout ça, on s'en bat les couilles. Après, tout le reste, je m'en fous. Hein. Les notes des gens, tout ça, on s'en bat les couilles. Donc, j'ai déjà 5 écrans. J'ai déjà toute leur gamme, je les ai déjà tous fumés. Premier écran. Deuxième. En vrai, il y en a pas trop cher. Mais c'est pas de la 4K. C'est pas de la 4K. C'est chiant pour quand tu regardes les films et tout quoi, la 4K c'est surtout ça quoi. Mmh. Bon après je suis pas quelqu'un qui regarde 400 films, donc qu'est-ce que je peux m'en passer. Tu les regardes en DVD les films? Ça dépend, j'ai DVD Blu-ray surtout. Bon après Anime Sama de toute façon il n'y a pas de 4K tout court. Oui même là c'est pour ça. Puis Netflix si tu veux là, un truc non, comme Netflix, 4K tu dois payer plus cher. Hein. Enculé, je regarde plus Netflix depuis qu'ils arrêtent pas d'augmenter leur prix. Mmh. Je vais pas faire me couper une couille.
360. Il y a les premiers écrans que j'ai vus comme ça, de vite fait. Le premier prix, il est à 260. En fait, le seul problème, et moi c'est, ça c'est le problème, c'est, mais vraiment c'est sur tous mes achats hein, que j'ai ça. C'est que je vais tout le temps hésiter parce que j'ai tout le temps peur de regretter mon achat, tu vois. Mmh. Surtout sur des prix comme ça. En mode, tu mets 260 balles et tu dis putain, j'ai régressé en qualité et j'ai envie de dead, tu vois. Bah, celle-là, t'avais eu de la chance de la trouver, hein. Ou c'est, non, c'est juste qu'elle date. Non, à l'époque, la 4K venait juste de sortir. J'ai vraiment pris une télé à 600 balles, frérot. Elle m'a coûté un bras, j'avais 18 ans. Ouais, Matt, il m'avait conseillé l'écran que j'ai actuellement. Il est vraiment pas mal, mais il est incurvé, lui. Ouais, le tien est incurvé. Bah, moi, j'ai... Après, il existe en plein. Ouais, bah, je l'ai en plein. Le Yama. T'as pris le combien Ah non, moi, c'est pas le dire. Je t'avais donné les paramètres de mon écran. Mmh. Ouais, il y avait aussi en 360 FPS, mais vas-y. Ouais. En fait, la 4K, à part les films, ça sert à quoi? De toute façon, Twitch, on s'en fout, c'est 1080p. Mmh. Façon, YouTube, il y a très peu de vidéos en 4K. Bah si, il y a les miennes, sale bâtard. Bah. Tu les mets en 4K, toi? Ouais, j'ai, juste pour le test, j'ai fait les... À partir d'un certain nombre, des lapins crétins, ils sont en 4K. Non. Et il dit qu'il a plus de place sur son disque dur, bah. Non... Okay. Non, mais en vrai... Je voulais tester pour le jour où je ferai des gros jeux. Mmh. Dès que je passerai sur Play, 4K ça peut être bien. 4K sur Pokémon. Non mais j'ai dit, oh, dès que je passe sur Play, Pokémon sur Play, Franck, t'es sûr? Non mais par contre, Far Cry, il y a un monde où je te le sors en 4K. C'est un jeu PS4, est-ce qu'il existe en 4K? Est-ce qu'il va jusqu'à 4K, je crois? Je sais pas, j'avoue. Il est blanc lui, non? Non, c'est le reflet du soleil. Par contre, le jeu Senseiya là que je jouais, et Chevalier Zodiac, il avait du 3000 et quelques sur je sais pas quoi en résolution. Et c'était la 4K en fait. Sauf qu'elle me bousillait mon setup. Ah, mais la 4K, je te jure que pour avoir testé, moi je mets deux épisodes, après je suis obligé de les tester. Bah, dès que l'épisode est sorti sur YouTube. De toute façon, tu verras pas la diff, les graphismes. Ton œil va pas au-dessus de ça. Ah, ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Mais ça peut faire la diff sur les films. Mais on est d'accord que ça sert que pour les films. Mais moi, de base, ma télé, quand je l'ai acheté, c'était pas pour jouer. Hein. Ah, bah, il y a 10 ans. Ah, j'avais la PS3, mais. C'était en mode juste pour regarder des films, quoi. T'avais déjà déménagé il y a 10 ans? Ouais, j'avais mon appart solo. Ah oui, c'était ton appart solo à ce moment-là. Ouais, c'est là où j'ai acheté la télé. Avec ton... Ta salle des trophées et tout, là. La plus grosse connerie de ma vie d'avoir déménagé en solo, je te jure. Oh, t'auras testé. Ouais. J'en ai foutu de l'argent en l'air. Non, ouais. En vrai, les trois quarts d'utilisation que je fais, déjà c'est pour taffer. Pour taffer, tu pourrais me dire un écran c'est bon. Tu vois. Mmh. Un écran PC. Sauf que quand je taffe, généralement, tu vois, je mets de la musique en fond. Un musique ou un stream. Et je me vois pas passer toute la journée avec un casque. Après, quand je joue le soir, la soirée avec un casque. Bientôt on va me dire vas-y, des écouteurs avec un casque. Écouteurs sans fil, Bluetooth. Non mais ça change rien. C'est pas le truc au-dessus qui me dérange, c'est le fait de toujours avoir un truc dans les oreilles. Tu vois. Mmh. Donc là le problème qui se pose et de l'écran, c'est que la deuxième utilité que j'utilise plus mon PC, c'est pour regarder des streams.
des vidéos YouTube. Dans ce cas-là, là, un écran... possible. Et la dernière utilité, c'est pour jouer à la PS5. Pour jouer à la PS5 quand je stream. Mmh. Enfin, c'est quand même... Parce que quand je stream pas, la PS5, je la branche directement à mon écran à 240 FPS. 275 FPS, c'est terminé, quoi. Quand je stream et que je passe par Avermedia. Mmh. Parce qu'en vrai, imagine je lance une session code, je pense je passe pas par Avermedia, je passe par la capture d'écran. Ah, je sais pas, quoique peut-être quand même. Ouais, c'est que les captures d'écran, t'as pas le chat direct, t'as pas... Ouais, moi j'ai pas... De toute façon, je mets pas le chat direct. Non, mais pas dessus, mais... Pourquoi voir le chat? Ah oui. Ouais, tu maîtrises, tu... Ouais. Parce que tu vas utiliser ton autre télé pour le faire, quoi. Ouais. Moi, de toute façon, j'irai voir le mec, je dirai ce que j'en fais. Il me conseillera. On verra les prix. Ce qui est sûr, c'est qu'il me faut minimum 2 USB, 2 HDMI. Ils vont te faire, on a plus les LED de ce genre de télé, elle est trop vieille. Non, je pense pas. Les LED des télé, c'est tous les mêmes. La réparation, je pense... c'est 40€ la prise en charge et je pense que la réparation elle va coûter 100 balles. Max. C'est sûr que ce sera moins cher que de racheter une télé, mais. Oui. Et puis surtout que quand tu fais réparer tes machines, t'as l'aide de l'État à 60 balles. Mmh. Ça va coûter, je pense, 150€ maximum et ils auront 60€ de dette. Ou sinon, j'attends tout simplement qu'ils réparent mon écran. Hein. Parce que si tu le répares en une heure, c'est bon, quoi. Ah non, bah non. Je pense qu'il peut pas. En 3 jours, 4 jours, une semaine, ou ça va. Tu pourras pas stream pendant une semaine, du coup. Bah... Je suis dépendant de mon portable, quoi. Mmh. Sinon, j'ai pas le chat. Juste le mettre à charger avant, quoi. Mais le problème, c'est que mon portable, j'utilise pour taffer, surtout. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini le taf, faut que j'attende qu'il se remette à 100%. En le branchant en USB au PC, ça marche pas. Ça charge pas assez. Non, c'est trop long. Ah, en vrai, on verra. Hein. Mmh. En vrai, s'il arrive à me trouver un écran à moins de 300 balles, il y a un monde, je le prends. Hein. Un petit renouveau. Ouais. Et tu donnes cet écran à tes parents, ils le répareront eux-mêmes. Ouais, ils sont d'accord. Hein. C'est quand même un écran à... Bon, ça vaut pas le prix d'avant. Mais... Je sais pas. En fait, la plus grosse dinguerie, c'est que j'attends le devis. Une fois qu'ils prennent en charge, j'attends le devis. Et là, le devis, il est exorbitant. D'accord, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de jeux PS5 qui font 4K. Putain, dire qu'ils ont sorti la 8K sur la PS5 Pro. Mmh. Et j'ai regardé les télé 8K, c'est combien hein, à la force hein. 10 000 balles. Ah ouais, minimum. Ça monte jusqu'à 15 000.
On va attendre 10 ans que ça descende à 300. Hein. Ouais, on va attendre qu'il passe à la CSK et qu'il ne casse pas les couilles. Ouais, comme à chaque fois, de toute façon. Pour le peu que ça change dans nos vies et choses, genre de détails. Tant qu'il n'y a pas une console qui est obligatoirement à prendre des écrans comme ça. Ah, le jeu, encore, je prends même pas la console, quoi. Tu vois, j'attends que la console flop. Oui, bah voilà. En fait, ils sont obligés de s'adapter au plus grand des publics. Et le plus grand des publics, c'est pas les riches, c'est ceux qui sont mid. Par contre, j'ai zéro shiny. Ça y est, je peux avoir de la chatte dans ma vie ou. Ouais, c'est pas ton jour aujourd'hui, ce que j'ai vu. C'est ce que je disais hier, hein, on aurait pas dû. Secondes sur mon sandwich. Toi, tu dois avoir un peu plus du coup, malgré qu'on ait fait en même temps presque. Ouais, je pense. Il me reste 8 minutes. Du coup, j'en ai eu un tout au début. Tous à peu près pareil, ouais. J'allais dire le psycho quoi qu'il est un peu plus foncé, mais non. Non, il est bleu. Shiny. Parce que du coup, j'ai pas eu le temps de lire la description du premier écran que j'ai eu. C'est con, ça tombe sur une chasse au shiny. Et du coup, c'est le moment où il faut être focus, quoi. Alors que hier, pendant les lobbies, j'aurais eu le temps. T'as désinstallé les jeux, du coup? Non, ouais, bah, je pense, me connaissant, il va rester installé jusque le jour où j'aurai plus de place et ouais. Je vais devoir faire un tri. Tu parles vert, là. Je peux passer à 2 sur 4 hein, d'ailleurs sur le truc. Ouais. Mince. Bien vu l'artiste. 2 sur 4. Et Franck les a tous us. J'en profite, j'ai eu la déception, il y a quoi là? TV LED. Ah, c'est un 32 quand le mien, 50 Hz, oula, force. Allez, hop. Beaucoup bon, 50. Je joue sur Switch ou... Je joue sur DS ou... Putain, mais ils sont tous à 50 Hz. Le deuxième 50 Hz, c'était les écrans cathodiques, 50 Hz. Ah, c'est les écrans pas de cas. En fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression... En petit écran, voilà, le troisième c'est pareil. En petit écran, ils sont incapables de faire... de mettre... Je sais pas combien de Hertz je suis, je sais pas si on, comment on peut vérifier, mais... à 450, ils sont à 450. Là, ils sont tous à 50 Hz. Bizarre, 50 Hz. C'est petit, donc ils n'ont pas envie de faire trop fort, sinon ça les fait péter. Je sais pas, mais... Moi je me rappelle, il y a des jeux PS2, ils te demandaient si tu voulais jouer en 50 ou en 60 Hz. Donc 50 Hz, ça date quand même. J'ai commencé par les Hz pour voir.
Et tu vois, par exemple, si je mets 120 Hz, la taille minimale c'est 40 pouces. Donc c'est plus grand que mon écran. Après, ça se trouve, je me plains, mais le mien il est en 50 aussi et je vois pas la différence. Mmh. Je sais pas comment on peut vérifier. Je sais pas, ça doit être dans les paramètres PC. Mmh. Je me suis fait avoir. J'ai l'impression qu'il était plus clair, mais non, c'est le soleil. Je sais pas comment ça se check. Système, écran. Après, je regarde sur un écran sur puissance. Résolution. Pokémon Donjon Mystère dans les oreilles là, j'ai trop envie d'y rejouer. Je cherchais un jeu auquel jouer parce que là du coup j'ai testé WWE 2024 hier, ça m'a saoulé. Ouais. Alors que j'adorais hein, les jeux de catch avant, mais je sais pas, il y a trop d'infos à avoir maintenant. Bah des BZ, bon voilà, ça m'a saoulé aussi hier. Le Dragon Quest, bah c'est que du farm maintenant, donc j'y joue un petit peu par-ci par-là. Mais pas longtemps. Du coup, je cherchais un jeu. Je pense que je vais me mettre sur Donjon Mystère en fait. Paramètres, système, écran. Ouais, mais ça j'ai vu. Mais cherche sur la télé. Il y a peut-être pareil. Quand tu joues avec le bouton qui est en dessous. Non. J'ai général, réseau son, image peut-être. Mode image. Résonant. Longue. Heure, moteur, connaissance gestuelle. Mode écho. À propos d'utiliser. Alors, numéro de série, temps d'utilisation 28 000 heures. Là, il n'y a pas marqué les heures sur celle-là. Oh, recherche une mise à jour. Ouais, c'est pour la... Elle était connectée à internet, on n'y est pas. Hein. Thank you.
Je sais pas où. Bon, de toute façon, les mecs là-bas, ils seront mieux qualifiés que moi pour me dire. Ah putain, il était derrière le rocher, j'ai pas vu. C'est étonnant quand même que ce soit un Pokémon du désert qui te foute la merde à chaque fois. Pour toi. Ouais. Il te déteste quand même, hein, je crois. Parce que fuck le show, peut-être, hein. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bon, je pense que tu auras les 4, hein. C'est pas mal, hein. J'ai eu 2 shiny avec 2 sandwichs, mais. Franchement, limite, je serais déçu que t'en aies pas sur ce sandwich là, quoi. Est-ce qu'il me reste 20 minutes, hein, tu vois.
Oui, mais... Ah, c'est toujours comme ça, des soirs où on trouve pas de shiny ou pas beaucoup, ouais, c'est... ou qu'il y en ait un d'entre nous qui trouve pas, on est en mode endormissement. Oh, si les deux s'amusent pas quoi. Dans le chat, ça doit être pareil. La malédiction d'Alec Jeanne. Mais c'est vrai, Alec Jeanne n'était pas là alors qu'elle était là la semaine dernière. Quoi. C'est sûr. Elle a changé. Vu que ça bougeait plus, je me disais, tu re-regardes les écrans. Ouais, non, de toute façon... Après, oui, je vais y aller, genre, ok. Est-ce que vous avez des écrans PC avec son? C'est la première question que j'ai posée. S'ils en ont, en vrai, je suis plus rentable à prendre un écran PC. Mmh. Avec son, mais sans enceinte, faut dire. Ouais, ils sont très bien capables de te répondre, ouais, bah, ils sont tous avec son. Avec son, où j'ai pas besoin de casque. Faut leur préciser aussi. Le son qui sort de l'écran directement. Non, parce que moi, un PC avec son qui fait juste du 144, c'est pas cher, hein, c'est 200 balles. Hein. Attends, ça se trouve, boulanger. Ils font aussi les mêmes filtres, boulanger. Mmh. Boulanger. Écran. Là, t'étais sur quoi? J'étais sur que les télés. Mmh. Ah merde. Parce que forcément, sur les télés, voilà. Moi, j'ai acheté sur Amazon, moi, j'avoue. Bah, par contre, les trucs comme ça, je préfère les ramener moi-même. Hein. Tout ce qui est livraison, tout t'as ça, pas confiance. Enculé, hein. Ok. Donc, dimension de l'écran. Donc, 24-27 serait l'idéal. Ils sont passés où les dimensions de l'écran? Ah, je peux en choisir que un. Du coup, pour 27 alors.
Et en plus, il y en a plus. Bon, état 9. On va prendre du reconditionné, sinon dans 2 ans, il claque. Si tu répares ta télé, elle deviendra conditionnée, du coup. Bienvenue à toi. Attends, j'ai dit la PS5 a fait tomber en quoi 120 FPS. Bon, 144. Ouais, 144, c'est bien. Hein. Plus, hein. Taille. 25 cm. Ah non, on parle de la télé. En plus, c'est un mytho. Il a oublié la virgule. Yo, comment tu vas? Coucou, bâtard. Mais taille, j'ai pas déjà mis. Temps de réponse. Bon, alors là, ultra rapide, hein, y a pas le choix. Jamais je prendrai un plus de 1 MS1. Hein. Ça sert à rien. Ça va et toi? Bah nickel. Hein. Bah ah ça sert à rien. La télé de ton salon, elle a plus de 1 MS. Non, moi c'est une télé surpuissante. Celle de ton salon en bas. Comprenez, ah oui, à chaque fois qu'on voulait pas. Elle a 4 MS celle-là. Elle est. La taille, ah, c'est un peu. Putain, mais j'en sais rien, moi, pouce, ça c'est quoi? Bah, c'est 27 pouces. Pouces, pouce, ça. J'ai déjà mis 27 pouces. Ah, mais je peux. Attends, je peux en choisir un autre. Mais non, pourquoi je. On chasse le vieux en vol. Ouais. C'est quoi la différence entre dimension d'écran et. L'environnement, pardon. La taille en pouces. La dimension, c'est en diagonale, non? J'ai un troisième shiny. Non, mais voilà, de toute façon, je l'ai dit, c'est lui qui aura tout ça. Donc, je te le chope à la Pokéball, lui, par contre. Ouais, Pokéball. Moi, j'attrape tout à la Pokéball ici. Il n'y a qu'une seule vraie ball, c'est la Pokéball. Une capture parfaite. Quel homme. Donc voilà. Sinon, ouais, il a eu un shiny sans rien faire. 87 shiny pour le moment sur les 400. Et on a bientôt fini cette gen en vrai. C'est vrai. On a un peu plus de la moitié. On commence par faire toute la cette génération. Et après on fera les autres. Mais bon, il reste les starters, juste les starters. Rien que les starters, on va y passer une année. Donc je te jure, ça va être quelque chose. Hein. Et toi, tu chasses un peu ou pas de ton côté? Alors, mode créa, laitue. Je sais pas si Pichu là, j'en ai deux. Ah ouais, Pichu, ça va être chaud aussi à faire. Et je sais Pichu, j'en ai deux. Ah ouais. Bah. Il en faut combien? Il en faut 3. Bah non, moi j'ai déjà Raichu. Ah bah il en faut plus que 5. Voilà. Ah, respecte-moi. Attends, faut que je regarde, ça se trouve j'en ai un aussi sur le. Mais parce que lui il fait avec sa Pokébank, moi je fais juste le. Oui, parce que moi je l'ai. Vu que j'ai pas la Pokébank, voilà. Donc s'il enfin, a déjà des. T'aurais enfin, la Pokébank, elle te servira à rien, t'as pas de Shiny sur l'autre version de toute façon. Non, j'en ai pas. En fait, vu que. Cette génération, forcément, il les a pas, vu que. Voilà. Mais peut-être que ceux des autres générations, voilà. Ouais, il y aura des starters en moins, ça c'est sûr à faire. Après, genre Bulbizarre, je crois que j'ai toute la famille, tu vois, parce qu'on est, on l'avait fait sur Let's Go. Ah ouais, Let's Go. Tu sais que ça m'a même pas marqué, hein, Bulbizarre. Let's Go. Ouais. Je sais même pas si on l'a fait tous les deux. Je crois qu'on a fait Chenipan tous les deux. Ouais. Ouais, donc on l'a fait tous les deux. On l'a fait tous les deux. Mais je pense que même de base, c'est pas lui qu'on cherchait. C'était Chenipan qu'on cherchait, non? Ouais, on commençait par Chenipan, on avait trouvé les Bulbizarre. Ah. Du coup, on s'est dit, bon, on part sur Bulbizarre. De toute façon, moi, Let's Go, le seul qui m'a marqué, c'est. Nidoking. De Nidoking, hein. C'est la plus grosse douille de tous les temps que j'ai pris, hein. Et j'ai pas de problème, on passe une nuit à chasser un Nidoking parce qu'il existait que en. Dans notre version, il existait que en chaîne.
Et il apparaît et puis après une Pokéball. Un taux à 1%. Et quand on l'a au bout de 6 ou 7 heures, on lance une Pokéball, il sort, il se barre. Même les voisins, ils ont entendu mon cri. Ah ouais. Mais les voisins d'en face, hein, pas les voisins d'à côté. le quartier entier, carrément. Je te jure qu'on dormait à moitié et tout. Il était quoi? Il était 6h du matin? Je sais pas, entre 4 et 6, ouais. Enfin, on avait mis grave du temps à l'avoir. Du coup, on va dire que Let's Go, c'est... J'ai fait quelques chasses au Shiny, mais on va dire que c'est le premier jeu où moi, personnellement, je fais vraiment des chasses au Shiny. Franck a un peu plus l'habitude. Bon, j'avais fait des chasses... Même si je crois pas que sur MP et Bouclier, j'ai fait des chasses. Si j'ai dû en faire une ou deux. Ah, MP et Bouclier, c'était avec les œufs. Il y avait les œufs, ouais, pas mal. Je sais que et c'était sur Soleil et Lune... Non, sur Soleil et Lune, enfin Ultra Soleil et Ultra Lune, t'avais une façon de faire. Donc tu faisais les œufs, ouais. Tu te mettais dans un ranch, et tu tournais en rond avec un taureau, et en même pas 5 minutes, t'avais tous tes œufs qui étaient éclos. Ah ouais. Il y avait aussi les techniques de pêche, mais... Au bout d'un moment, tout le monde avait les Pokémon haut, quoi. Tous shiny. Et il y avait aussi un voyage à travers les dimensions. Dans Soleil et Lune, et t'avais une grande chance d'avoir des shiny, une chance sur 42, je crois, comme ça. Mais c'est pareil, c'était toujours les mêmes Pokémon. Ouais. En vrai, Pokémon Let's Go, c'est bien. Le seul truc qui est un peu nul, c'est qu'une fois que t'as fini ta chaîne, t'as vraiment rien à faire pour le coup. Et pourtant, il faut que tu restes focus, parce qu'à tout moment, il pop. C'est le souci quand t'es... C'est un peu traître. Quand tu fais ça à 4h du matin, quoi. Ouais. Ou quand tu regardes, quand tu fais autre chose en même temps. À côté. Ouais. S'il faut que t'invites 5 potes chez toi, comme ça t'es sûr qu'il y en a au moins un qui regarde l'écran à ce moment-là, quoi. C'est ça, on se relaye. À l'ancienne, avec Ryan, là. Où on passait, on tournait toutes les demi-heures, chacun sur un jeu. Ah putain. On n'a jamais fait ça sur Pokémon. Non. Enfin, tous les trois sur un Pokémon, je crois pas. À part on avait un jeu sur Game Boy Relais, ouais. Sinon, ici, sur la chaîne en Pokémon, des fois on fait des ouvertures de cartes. Ouais. Pokémon. Quand on a l'argent. Ouais, quand on a l'argent. C'est-à-dire approximativement une fois tous les deux mois. Voilà, environ. Mais par contre, c'est des vraies ouvertures. Hein. C'est... Ah bah c'est pas des petites ouvertures de 5 boosters, ça c'est sûr. On fait... Y a... ça, on parle en display là. Et 2-3 displays par ouverture. Ouais. Après il y a quoi en Pokémon Day pas ah, tu vas commencer Pokémon Arceus bientôt aussi. Ouais aussi. Quand j'arrive peut-être en 2025 quoi. 100% de Mario Lapin Crétin. Bon début 2025 quoi. Oui. Non je pense un peu avant. En novembre. Ouais, dans le courant novembre. Bah, fin novembre, t'as aussi code. Enfin, ah au ouais, top, putain, la code. Y a code donc, ça, c'est autre chose. Ouais, mais tu vois, code, un jour où je rage. Oui. Je vais faire une petite chasse. Enfin, je vais faire un petit monde à 100%. Attends, le premier monde, j'ai fini. Quand j'ai fini de fouiller tout, il manquait un coffre. Attends, il est pas shiny, lui? Il est vachement blanc, non? Ouais, ça y est. Il est shiny. Il a pas attaqué. Let's go, j'en ai un! Eh ben, on a fini. Attends, il a pas autodestruction, bombe attaque... Que du ça, mais je pense pas. Hein. Non, c'est pas... Il a balle graine, harcèlement, châtiment, méga sensu. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Il a pas bombe nucléaire, quoi. Voilà. Plus de map. Après, en Pokémon, bah, des fois, quand on est avec Franck et qu'il nous reste du temps après nos ouvertures, on fait des relais ou des relais. Attends, comment on appelle ça? Des relais Nuzlocke, ouais. Des relais Nuzlocke aussi, ça arrive. On joue chacun une demi-heure au jeu. Et celui qui perd un Pokémon, c'est une merde. Voilà.
ça aurait été rapide. Ouais. L'inclure dans l'équipe, bah ouais, ma bite. Ouais, chut. Va dans le... dans... Putain, j'en ai eu un. On est le 15-10-2024. Mon plan a échoué, je voulais qu'il utilise toutes ses épices. Bon, au final, t'as quand même utilisé toutes tes épices. Mmh. Bon, j'en avais qu'une, donc c'était facile. Bah pour le moment, il est solo, donc on va le mettre là. Ah, j'ai toujours pas fini de monter Dialga, c'est honteux. On fait quoi? Tu veux commencer l'autre ou... Y a deux solutions, soit on commence l'autre, soit Parce qu'il nous reste deux sandwichs, allez, environ. Ouais, c'est comme tu veux. Moi les deux ça me va. Soit on fait ça, soit on commencer l'autre. Hein. Vas-y, ça part. C'est qui le prochain? Alors, bah là je suis en train de rentrer mes shiny dans le site. Ouais, lui rentre ses shiny sur le site. Pour ça j'ai mis à la fois. J'ai mon compte comme ça. Bon, du coup, si vous voyez à droite que je suis passé depuis le début du stream à 87 à 88 alors qu'il y en a deux, c'est parce que Franck a encore le mien entre ses mains. Je les compte que quand ils arrivent dans mon... quand il est sûr que je l'ai pas relâché. Ouais, je suis sûr qu'il a pas fait une dinguerie votre temps, quoi. Jamais je ferai ça. Jamais. Oui, jamais. Ok, lui on l'a rangé. Oh. Ouais, j'ai cru j'avais un autre shiny qui venait juste de pop. Et je l'ai quand même bien vu alors qu'il était vraiment solo hein, pour le coup. Alors le prochain c'est Terracool, on l'a déjà. Traparois on l'a déjà, Pimito on l'a déjà. C'est le truc avec Savouboule, donc ça va être dans le désert, je sens. Ah oui, on a les boulets roux. Et lui, il en faut 4 aussi. Ouais. Ok. Bon bah, ça part. Hein. Lui, il est que dans le désert, non? Je pense, ouais, regarde, mais... Mais le problème, c'est que il est type roche, il va y en avoir 500. Hein. Je sais pas s'il est type roche ou type sol. Il est type insecte aussi, je crois. Ah, insecte, ça peut être pas mal s'il est insecte. Il est que insecte, d'ailleurs. Oh, cool. Du coup, shiny... Enter. Et tu m'as dit, il s'appelle comment? Les boules roux. Les boules... Ah, oh, il est doré. Oui, ah, c'est sa boule qui est dorée, je m'en souviens. Oh là là, il est trop stylé. Ouais, il est vraiment beau, hein, pour le coup. Et c'est rare que je dise ça sur des Pokémon Shiny. Hop, celui-là, Itej. C'est Ciao. Ils ont pas fait d'effort quand même. Sur le stream, tu vois que ça boule, frérot. On a l'impression qu'on cherche une pépite tellement que... Tu. Oh, c'est buggé. Ah, j'ai cru qu'il allait me dire shiny. Ils ont changé le jour du buggage des sons. Ouais, j'ai que Pimito. Allez, vite, on change le sandwich. D'abord, on sauvegarde. Twitch, tu me les braises.
Ok, on sauvegarde. Pique-nique. Alors, pour le type insecte... Ah. Je peux pas faire le pique-nique là où je suis, super. C'est tomates cerises et deux épices salées. Tomates cerises et deux épices salées. Ouais. Et ils nous cassent les couilles avec le salé. Hein. Ça marche pas, une ? Non. Je pense qu'on va être destiné à faire au moins une chasse au shiny sans épices. Allez. Sans épices tout court. Ah, pour toi. Bah, fais genre, t'en as pas non plus, sale bâtard. Bah, épices salées, j'en ai pas, mais j'ai 50 épices acides, quoi. Et là, c'est salé, t'as dit. Ouais, c'est deux épices salées. Mais moi, je peux. Enfin, on peut faire sans épices salées. C'est juste que tu dois mettre plus d'ingrédients dedans et c'est chiant. Ah ouais, t'es vraiment une feignasse. Bah, il faut que ça rentre, hein. C'est vrai que trois tomates cerises, on est en train de mourir. Ah bah les tomates cerises, en plus, elles sont chiantes, elles roulent. Ah oui, il est vraiment que dans le désert, par contre, lui. Ouais, mais bon, ça va, insecte, c'est le seul. Donc... On va pas être... Par contre, il va falloir faire gaffe. Le seul truc qui est chiant. Mais oui, je pense qu'il va bien se voir. Il va falloir faire gaffe à la tempête de sable ou quoi. Attends, j'ai pas changé. Je crois que j'ai laissé mon 3 sur. Ouais. Ouais. Faut changer le titre aussi d'ailleurs. Je sais pas si c'est. Non, pas moi. Justement, je fais exprès pour pas changer à chaque fois. Et puis ça attire les gens. Parce que du coup, ils se demandent putain, ils chassent quoi. Et hop. Oh, la strat de merde. Oh non, il y a lui. Il y a Pyronil. Ah. Oh non, il y a que des Pyronil de partout. Ah. Il va falloir trouver un endroit pile poil. Ah, là. Non, mais Pyronil, t'es type feu, fais-nous pas chier. J'en ai vraiment zéro. Est-ce que c'est parce que c'est la nuit? Ouais, je sais pas. Après, ils sont un peu plus profonds dans le désert. Je suis peut-être un peu trop proche de la ville. Là, au niveau... Je sais plus où il était le dominant, mais au niveau du dominant, il y en avait pas mal. La vie dans le désert? Ah non, ça dit pas... Enfin, ça peut être chopé la nuit, quoi. Non, il faut que t'ailles un peu plus profond, il y en a plein. Ok. Au niveau du dominant, quoi. Ouais, niveau du dominant et... Vraiment pas côté ville, quoi. Là où il y avait les pimitos ? Bah moi, je suis un peu plus dans l'axe. Oh, j'allais dire shiny, mais non, c'est l'hippopotame. J'ai juste vu son gros crâne. Il l'envoie ici, à partir d'ici. Donc ça devrait être bon. Et là, il n'y a plus de l'autre. Ils ont vraiment divisé en deux le désert. Wesh. Wesh. Trois potions les unes à côté des autres. Wesh! Quoi? De quoi? Hein? Comment c'est possible? Non, c'est un bug. Ah non, non, tu peux l'avoir. Ah ouais? C'est rare, mais il peut pas, à mon avis. Où il est. En fait, c'est. Vu qu'il non, est. Non, c'est un bug, regarde, je peux pas rentrer en contact avec. Ah ouais? Ah merde! Ah oui, donc c'est un bug d'affichage sur le dominant qu'il y avait. Ah, tu peux lui parler. Ah non, je peux lui parler. Ah, ça lance un combat, mais il faut lui parler. D'accord. Wow.
En fait, c'est l'ancien dominant que t'as de... qui est devenu tout petit, quoi. Mais qui reste petit. Je pense qu'il doit repop, c'est comme les... les coffres, là, ça doit repop une fois tous les... Mmh. Ouais, parce que normalement, ils sont pas censés sortir de la grotte, hein. Il me donne envie ce sandwich. Je mets des tomates, de l'oignon, du sel. Allez, par pitié les refs, juste deux shiny. Je demande pas beaucoup, deux shiny sur ce sandwich. Putain, si on se fait en une soirée deux familles. Ouais, je pense pas. C'est pas rare, mais. Si on arrive déjà à faire la moitié de celle-là, ce serait bien. Ouais. Il est stylé en plus. Évoluer, je sais pas. J'espère que sa pierre, elle est bleue. Ouais. Et je crois que ça change, ouais, de couleur. Putain, l'eau, tu vas falloir faire 1000 pas et puis laisse tomber. Un pas pour lui, c'est 10 pas pour nous. C'est une je vais me mettre en haut d'un centre Pokémon et il va tourner en rond. Tout seul, comme un grand. Ah, là, il y a Pierronil. Donc on va reculer un peu. Par contre, à mon avis, il se voit tellement bien. Ouais, je pense que tu passes à côté, vraiment, ça va te taper à l'œil. Ouais, je crois que je vais juste faire le tour de ce gros rocher. Du rocher du dominant. Mmh. Non, bah, je suis juste là où il y a le dominant aussi, moi, donc... Il y a peut-être un ou deux pyronies qui pop, mais c'est le contraire de là-bas, quoi. Ouais. Et il ressemble à quoi, pyronie, Shiny? Je crois qu'il est jaune, mais je vais aller vérifier. On sait jamais. Au lieu du rouge? Ouais. Ou au lieu du blanc? Au lieu du rouge, mais je vais vérifier quand même au cas où. Ouais, c'est ça, il est jaune au lieu du rouge. Là, on cherche vraiment du jaune partout, quoi. Voilà. Et dès que ça brille en jaune, c'est que c'est bon. Ah, ça brille en jaune. Ah bah non, c'est un terra cristal. C'était juste pour contester ce que Franck a dit. Oh, j'ai trouvé une potion. Oh, j'ai trouvé une potion. Ah, du sable doux. Ça a quoi le sable doux? Je crois que ça augmente l'attaque des Pokémon sol. De 10%. Et du coup, tu me dois un Pokémon et je te dois un Pokémon. On est vraiment carré pour le moment. Tu me dois quoi déjà? La session de la dernière fois. C'est qui? Je sais plus. On a tellement parlé ce jour-là que je sais plus. Ah, toi, t'as eu tous les Mimitos et. C'était Mimitos, ouais. Donc ah, mais c'était tu quoi me dois ça, un Mimitos aussi. T'en... Ah, mais non, j'ai non, eu. Non, t'as déjà eu tout ce qu'il faut, ouais. Putain, c'est pas les tac-tag? Ah, si, tac-tag, voilà. J'en ai un pour toi. Bah non, j'en ai deux. Ah non, j'ai peut-être fait évoluer l'autre en me disant que c'était bon. Si tu me fous un doute, je vais vérifier. Doute bien. Doute. Allez, les rouges. Eh non, c'est bien ça, oui, t'as bien raison.
Bah oui, je sais que j'ai raison. Il est dans la boîte à échange. T'aurais pu me montrer, au lieu de me laisser le doute. Tu devrais prendre mon... Comment il s'appelle, mon shiny aussi, qu'on a en triple. Pour faire un échange miracle. Le Mimitos ? Non. Ah non, le sel là, le gros sel ? Non. Qui ça ? Le canard du futur. Ah, Kadozo. T'imagines, ça arrive à un gosse de 10-12 ans là. Ça fait un beau cadeau. Un échange miracle comme ça, au pif, et boum, un shiny. On aura rendu un gosse heureux dans ce monde de merde. Tu sais, ce qui serait pire, c'est qu'il ait pas confiance en les shiny échangés parce que. Non, à cet âge-là, c'est. Oh là là, à cet âge-là, oui. Je veux dire comment ils s'en battent les couilles. Ça là. En fait, il y en a tellement que j'ai peur de passer à côté. Ouais, il est doré, tu passeras jamais à côté. Non, mais tu sais qu'il pop derrière, quoi. Ah, ouais. Parce que c'est vrai, il y en a vraiment beaucoup pour le coup. Oh putain, par contre, là où il y a les rochers, c'est chaud aussi. Hein. Faudra pas qu'il pop derrière le rocher. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il popera pas au-dessus, parce que vu la taille des rochers. La taille des falaises, même, j'ai envie de dire. Deuxième tempête de sable que je me tape en moins de 5 minutes. Quoi. Arrête de râler. Moi j'ai fait des chasses de shiny 4 heures sur 4 heures de tempête de sable. Et en plus ça m'a buté un shiny. En plus, c'est vrai. J'avoue. Ah, il va falloir faire attention aussi. Quoi. Ah ouais, maintenant j'attrape tout full vie en Pokéball. Là. Bah les couilles. Y'a pas de fauchage. Je fais que des captures parfaites et voilà. Juste qu'il n'y ait pas explosion quoi. Mmh, ouais, non, lui il doit pas avoir explosion. Non, non, mais. Shiny quoi, que type insecte. Ah, j'y ai cru. Avec la tempête de sable, ça a induit en erreur. Allez, on en fait pop des milliers pour avoir plus de chattes. Enfin, du coup, avec toutes ces histoires, j'ai pas fait mes quêtes de Genshin. Fais chier. Mmh. J'ai pas fait mon montage pour demain, là, je vais le faire, je vais le lancer après. Pour Pokémon pour... Ouais, ouais, c'est avec Pokémon, ouais. Ouais. La petite ouverture booster Pokémon. C'est très drôle que YouTube dise à un de nous deux, oui, il y a une correspondance, il y a une vidéo de quelqu'un qui correspond à 100% à la vôtre. Bah, je pense même pas.
Bah, ça le dit des fois, hein. Je sais pas si t'as déjà eu toi la notif. Moi j'ai déjà plein de notifs en mode oui. Alors, il y a 90% de correspondance. J'ai une notif sur YouTube et j'en lis aucune. Moi j'ai enlevé. Je reçois les commentaires, tout ça, mais tu sais, je les reçois en notification en haut du portable. Mm. Du coup, j'y accède direct. Mais du coup, je me retrouve avec je sais pas combien de notifs. Ça se trouve, ils me l'ont dit et j'ai jamais capté. Le pire, c'est que les correspondances, généralement, c'est les cinématiques de jeu, tu vois. Donc tout le monde a ses correspondances. Et des fois, il y a des sales races qui disent « ça nous appartient !» Et du coup, bah, tu te vois en mode contestation du truc. Personne s'en occupe pendant un mois, et au bout d'un mois, ça redevient normal parce que personne s'en est occupé. Les gars, y a personne qui pousse une pépite d'or là. Eh, vas-y, sors ton or. À deux doigts de lâcher une pépite et de voir qui va la choper. On ira plus vite. Demain matin, je sais ce que je fais. Moi aussi, si j'ai le courage. Tempête de sable. Il a refusé de l'attaquer, quoi. Sauf qu'il était pas endoré. Moi, ça m'arrive tellement de fois. Caravi Shiny, il est de quelle couleur? Je crois qu'il est plus clair que le normal, mais il est comme Pichu et Pikachu, c'est... chose change pas beaucoup, il me semble. C'est moi ou tu fais un challenge les pierres shiny d'Alphine. Après, si tu veux, il y a Ramos aussi. Ramolos d'Alola ou Ramolos ouais. Tout non, Ramolos tout court. Il est rose en shiny. Je sais même pas si c'est détectable à l'œil. J'avoue. Bon, si t'en mets deux à côté, oui, peut-être. Mais tu sais que moi, le Raichu, je l'ai détecté à l'œil nu, il n'y en avait aucun à côté. Tu sens qu'il y a une petite différence, là, toi. Tu sens qu'il y a un truc là-bas. Putain, lui, il est un peu chelou. Je vais l'attaquer. Et ben, j'ai bien fait. Après, si tu veux, Ko, il y a un site qui s'appelle Shiny Hunter. Ouais. T'as vraiment toutes les couleurs dedans. Tu tapes le nom du Pokémon et il te sort le... la différence, tout ça, et tout. Il te compare les deux. En vrai, il est bien ce site. Et puis si t'as la foi de faire comme Franck, tu peux rentrer tous tes shiny et ça te fait une petite liste référencée. C'est ça. Savoir où tu en es. Ah ouais? Ouais. Oh la chance. Déjà. Oui, bon, ça y est. Le gars, il a toute la chance de la soirée. T'es mort. Mon légendaire, il a tellement une grosse queue. Il y a plein de veines en plus dessus. Ça, c'est quelque chose. Force. Je pense que t'as plus de chances de mourir de la tempête de sable que... tuer mon Pokémon. Bon, il faut pas que j'oublie, je suis en tempête de sable, donc s'il lui reste pas beaucoup d'HP et que j'ai toujours pas capturé, je la capture... Je lance une Hyper Ball ou un truc du genre. Master Ball. Master Ball. Pas les couilles. Oh, la filet ball, elle peut bien fonctionner sur lui. Ouais. Ah bah oui, parce qu'il a un insecte. Eh bah tu n'auras pas... Ah si, voilà, j'ai ouvert ma gueule un tour avant. Après, plus il prend de dégâts, plus j'ai de chance aussi de... de capturer, oui, ça c'est bien. La capture parfaite. Bon. Oh.
Et voilà. On peut la chance, quoi. Tout de suite. Hop là, 1 sur 4. On a fait la moitié de l'objectif, Franck. Ouais. Ça veut dire que t'as utilisé ton salé encore. 2. Attends, c'est pas fini. Il t'en reste plus qu'un, non ? Non, il m'en reste 2 derrière. Mais nique ta daronne, toi, laisse-moi aller dans mon truc. Je regarde s'il est dans la bonne boîte. Oui, il est dans la bonne boîte. La bonne boîte. La bonne boîte. Il me reste combien de temps pour en trouver un autre ? 12 minutes. Faudrait que j'en trouve un, comme ça on il est bien. Il est violé un peu. Ça va ? Fais attention à lui derrière. Je suis pas un spécialiste des shiny. À part ceux qu'on a déjà capturés. Ah, tu veux me dire tirer, ok. Si, j'en connais un peu de la première G aussi. Oh, Tiravi, c'est 4G, donc ah, bah, c'est... Putain, j'aurais bien dit. Allez, hop. 2 en 1 minute. J'ai pas de chance, Ouais, moi, les Pokémon que j'aime bien, ils viennent à moi. Ouais, c'est ça, en fait. L'autre, c'est un type plante. Non, mais l'autre, il est trop moche, ça y est. En fait, c'est vraiment pas des Pokémon du désert, c'est les Pokémon de type plante qui t'aiment pas, c'est tout. Ça tombe bien, je les aime pas non plus, comme ça, ça règle le truc. Et que Bulbizarre que j'aime bien. Même pas Arco ? Ah, si, Arco, ouais. Mmh. Arco, mais Arco, c'est parce que dans l'anime, il a trop de flow, c'est tout. Bah, comme un sécateur, quoi. Ouais, ils ont trop de caractère. Voilà. Allez, moi, je quitte le stream, Franck, tu peux finir. À demain. Eh, au moins il est rentable. Ouais. 2 épices de shiny. C'est ok, tu vois. Après, un petit troisième, on cracherait pas dessus. Voilà. Ou un Pyronil, tu vois. On rappelle que j'ai eu 5 Voltorb. J'ai eu 5 Voltorb alors qu'on les cherchait pas quand même. Moi j'en ai eu un. On sait jamais. Oh mon gosh. J'ai tellement baillé aujourd'hui que j'ai mal à la mâchoire, quoi. Ah, tu sais que moi, des fois, quand je baille, j'ouvre tellement ma grande gueule, là. T'as une crampe ? J'ai une crampe en bas. Ouais. Mmh. Oh, c'est horrible, la crampe de la mâchoire. Ouais, on est d'accord. Okay. Et Matt, il connaît bien, il a le même problème, je crois. Il a une crampe quand il fait quoi ? Quand... Non, je fais pas la blague. Je ferai pas la blague. Ah, c'est une question. Attends, des fois ça lag quand même dans le désert. Do it! En vrai, là si l'écran il saute pas mais qu'il a juste moins de luminosité, ça me dérange pas. Enfin, au moins, je pourrais travailler demain, quoi. Bah, typique, changer constamment de couleur, c'est ça ? Non, style... C'est la luminosité. C'est ouais, les LED. Les LED, des elles passent... Et du coup, elles ont fait que sauter pendant toute la journée. Ça fait sombre, clair, sombre, clair, sombre, clair. Ouais, c'est ça. Et une fois que... Après, pendant... Style, pendant 7 heures à faire que sauter, ça s'est remis l'écran normal. En mode lumineux, la luminosité normale. Mmh. Et là maintenant, ça saute pas, mais juste la luminosité elle est bloquée à un faible niveau. Quoi. Et par contre, si demain je travaille avec cette luminosité là, j'ai intérêt à bien allumer la lumière parce que sinon je vais tuer les yeux. Mmh. J'imagine bien. Bon, là ça va, il y a le chat, j'ai pas le chat à Gotaga, mais. Je vais pas te mentir que. En Gotaga, c'est. C'est impossible qu'ils lisent tous les messages, Gotha. Non, t'es un ouf, c'est impossible. C'est inhumain. Non, il prend des messages comme ça. Moi, les seules fois où j'écris dans son chat, c'est quand il finit une série, enfin un jeu.
Et qui parle avec son chat, et s'il est 3-4 heures du matin, on est plus que 3000. Je te jure, la moitié des gens dessus. C'est vraiment élevé quand c'est à ce moment-là. Ah, je sais pas, je vais peut-être commencer certains comics. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, genre. Superman, tout ça là. Déjà, j'aimerais bien continuer Rick et Morty parce que j'en ai déjà 3. Et après, j'aimerais bien faire Flash. Ah. Ouais. Flash et la Justice League aussi. Et du coup, vu que Haki, il est à fond dedans, je vais poser des questions sur comment ça fonctionnait de ça. D'ailleurs, il a pas répondu à mon dernier message. La prochaine fois qu'il stream, je vais l'insulter. Oh, Haki. Bon. Je peux avoir mon troisième, s'il vous plaît? Ouais, il peut avoir mon troisième, s'il vous plaît. Je vais avoir le troisième de Franck, là. Ouais, parce que le prochain, je suis sûr que c'est un Pokémon que j'aime pas, du coup, je les aurais pas. C'est un Pokémon qui est qui a pas d'évolution, je crois, le prochain. Ouais, ouais, c'est bien ça. Y'a que deux à choper. C'est qui? Je crois que c'est l'Estombel. C'est l'oiseau qui tient sa bite, là. Ah ouais. Sa poche ou je sais pas quoi. Ouais, sa poche. J'ai dit sa bite quand même, la référence du mec. Oh, j'allais dire shiny, mais non. Oh. C'est juste le soleil qui était trop intense. On me le dit souvent. Ah, c'est loose, 5 minutes. 10 minutes pour moi. Ouais, c'est loose, 5 minutes, le gars, il en a eu 2 en 2 minutes. C'est loose, loose, loose. Toi qui es loose. Après, est-ce qu'on s'arrête là? Vu qu'on en a 2, déjà. Bah non, autant finir. Avec un autre sandwich? Bah ouais. Si on termine les 4, je dis pas non. Ça rattrapera une session où tu seras peut-être pas là si tu pars. Oh, bon départ, va. Ben, Lobo et The Mask Comics. C'est vrai que The Mask, c'est un comics à la base. Après, comics bien sanglant. Le problème, c'est comme les mangas, t'as tellement de trucs. En plus, les comics d'ici, j'ai toujours eu peur de la chronologie, tu vois. Des histoires en fait, et tout. C'est ce qui me disait à qui, c'est que. Faut pas penser comme ça parce qu'il n'y a pas de chronologie. Bah, à chaque fois, il recrée le truc de zéro, ouais, et il faut reprendre à partir de ce moment-là. T'as des one-shots, t'as des séries. Style Batman, tu peux avoir 5 séries différentes mais qui ont rien à voir les uns aux autres, il y a zéro chronologie, c'est juste vu que c'est une enseigne avec plein de dessinateurs et d'écriture, enfin des gens d'écriture et tout ça, et les séries n'ont rien à voir entre les autres, c'est à dire que tu peux avoir deux fois la même série sur la même période mais l'histoire n'aura rien à voir, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est un truc propre aux comics quoi. Ouais. Au moins Rick et Morty, voilà. Il y en a pas beaucoup Rick et Morty. Je sais pas, mais deux comics, ouais, c'est ça. T'as vraiment des one shots. Y en a ils font 2, 3, y en a ils font 10. Après, moi, je vais quand même rester sur les mangas, quand même, de base, mais... Ok, un comics, Tortue Ninja et Batman, ensemble. Ouais, c'est possible. Star Wars aussi, je crois que c'est des comics, d'ailleurs. Enfin, après, il y a aussi des romans, Star Wars. Ouais.
J'en ai déjà vendu. Il y a une édition de roman Star Wars, ça vaut. J'ai qu'un seul roman Star Wars et c'était pour lire l'histoire de mon perso favori. Quoi. C'est quoi l'édition? C'est Ahsoka, mais c'est. Ouais. Je crois pas qu'il y ait une édition spéciale. C'est Fleuve Noir. L'édition Fleuve Noir de Star Wars. En dinosaure. Ouais, bon, après je vais lire des trucs, voilà quoi. Et le Spider-Man qui ressemble à une tortue, ça m'intéresse pas quoi. si c'est ça, ah Shiny. Si c'est ça, je préfère je préfère aller voir Franklin. Et comme ça au calme. Ah Shiny. Je suis vraiment trop loin dans le game en fait dans ce jeu. Il dit ça alors qu'il était en détresse au début du stream quoi. C'est Pokémon de merde. Faut dire les termes à un moment. En plus ça doit être sur la fin de mon sandwich hein, je pense. Ah oh bah c'est sûr. Bah oui c'était... Ouais voilà. Ouais. Moi 5 minutes, il me restait 10 minutes. Je t'avais dit 5 minutes. Ouais, Marvel, DC Comics... Il parlait de comics, il parlait pas de DC ou de Marvel. Attention. Si j'ai envie de prendre des panini, y'a quoi. Et en plus, ça existe, hein, Panini Comics. J'en ai déjà vendu. Moi en comic je veux lire Tintin et alors. Moi je veux lire Franklin. Et toi l'exploratrice. Ils visent des bouquins sur ça. Je veux l'histoire de Shipper. Origin story, tu sais. Ok, je la ferme. L'histoire des Shipper, ça va être quand même incroyable. Ah, fin du sandwich, je me retrouve avec l'autre arbre de merde. Là. Allez, les gens se gardent. Je pense que je vais faire, pour le dernier, je vais faire un sandwich simple. Ouais. Ok, donc déjà on a sauvegardé. Trois shiny quoi. Je trouve que tu fais pas grand chose de la soirée. Hein. J'ai eu 4 shiny, t'en as que 3. Alors dis-moi, c'est quoi la composition? Voilà ta composition. C'est tomate cerise avec deux salés. Non, l'autre, celle que t'as fait. Ah, tu veux tomate cerise x2. Ah merde, y'en a deux. Ouais. Tomate. Tomate. Oignon blanc. Donc oignon normal. Oignon, ouais. Et poivron vert. Ah, c'est tout? Ouais. Tu mets ces 5 trucs là et puis ensuite tu mets... Épices, l'épice jaune et l'épice verte, j'ai mis moi. Acide et amer. Ce que je fais pour bien les placer, j'ai mis d'abord les poivrons, ensuite l'oignon, ensuite les 3 tomates et j'ai mis les tomates cerises au-dessus des tomates.
je mets mon tapis de tomates. Il me reste 2 minutes. Hein. Et voilà les tomates cerises. Ça m'éteint. Hein. Et elles roulent, c'est ça le pire. C'est pour ça que j'avais mis les tomates tout à plat, comme ça. Voilà. Bon, regarde, je sais pas où je la mets. Nantake! C'est bon. Et du coup, ça met... Ça met la même chose. C'est juste qu'on met plus d'ingrédients, donc c'est plus sensible à tomber, sauf que là, ça va, c'était que des petits ingrédients. Ouais, je vais dormir. Des bisous, Matt. À demain. Ouais, heureusement qu'il a raté la blague sur lui, quand même. Je sais même plus c'était quoi. Tu peux nous la rappeler, François ? Tu me l'as rappelé ? C'était même pas une blague, je parlais de la mâchoire qui bloque. Non, la crampe. Oui. En bas de la mâchoire. À cause du fait que je suce ! J'ai même pas fait la blague, quoi. Faut se poser la question pour vous. Moi je baille trop fort, j'ai la réponse. Ouais. Dans ton bail en fait c'est un fantôme qui... Cette fameuse légende. Pour moi c'est bien, ça force les gosses à mettre la main dans la bouche. Enfin pour les mecs en tout cas, après les meufs je sais pas mais... Non mais même sans sandwich il pop pas mal en vrai. Ouais. Juste que le taux de rencontre de Shiny sera baissé. Ouais, qui baisse. Des bisous. Trop chiant vraiment quand tu bailles, mais ouais. À vendredi. Ok. Ouais, à vendredi. Le pire dans tout ça, c'est que normalement quand t'as une crampe, t'étires, tu fais un étirement. Là, tu peux pas t'étirer. Bah oui, c'est au milieu des os là. Je vais mettre fin au pique-nique, j'ai rien chopé. J'espère que j'ai sauvegardé. Hein. Normalement, oui. Moi, j'ai sauvegardé. Si j'ai pas sauvegardé et que je reprends là où j'étais avant. Ouais, tu le fais en off. Hein. Je me tire. Je stoppe le stream. Tu rattrapes ta connerie. Hein. Stop ma connerie. Tu. Non, c'est pas une compétition, mais j'ai eu plus de shiny toi. Il y a eu 3 à 4 d'abord. Après, tu peux égaliser en vrai. Non, plus envie. Non, je ne veux pas. T'imagines 2 familles dans le stream. En vrai, on prend. Par contre, est-ce qu'on coupe le stream en deux? Non, je vais mettre tout ça d'un coup. Là, ça dépend si on a le quatrième. En vrai, si on n'a pas le quatrième, tu peux couper en deux. Ouais. Si on a le quatrième, tu peux mettre les deux. Parce que tu auras toutes les deux séries. Et ceux qui regardent sur YouTube ont déjà la réponse, du coup. Oui, mais ils savent pas lequel. Mais non, ils ont pas la réponse, du coup. Bah si, parce qu'ils auront... Soit c'est coupé en deux, soit... Y a tout d'un coup. Si là ils ont tout d'un coup, s'ils ont la chasse de ce... Non, parce que la première chasse sera déjà passée. Bah justement. S'il y a la première chasse qui est déjà passée... Ah oui, ils ont la réponse. Ils ont... S'ils l'ont vu direct ouais. Ou pas. Exactement. Et s'ils arrivent jusqu'à ce moment-là de l'épisode aussi. Oui, bien sûr. Si vous arrivez jusqu'à ce moment-là de l'épisode, écrivez...
je sais pas quoi. Voilà, écrivez je sais pas quoi. Écrivez je sais pas quoi. On verra combien t'en as des je sais pas quoi. Zéro. Peut-être ouais. Dans une vingtaine d'années quand mes vidéos passeront à la postérité. Que les jeux vidéo n'existeront plus et que les gens auront juste ce qu'il y a sur YouTube. C'est ça. Et là, YouTube n'existera plus un jour non plus. Ah, YouTube, ils sont quand même plus stables que Twitch. Hein. Eux, je sais pas comment ils font YouTube quand même. Ah, c'est Google, hein. Ils stockent des milliards et des milliards de données, de vidéos et tout ça, et il y a des gens qui stream et tout, alors que Twitch, ils sont juste en galère juste avec les streams. Et t'as zéro délai pour tes vidéos, elles peuvent rester là pendant... T'imagines les données de fous qu'ils doivent stocker. Je sais pas comment ils arrivent à rentabiliser ça en termes de disque dur. Hein. J'avoue que... On peut dire ouais c'est Google, ok. Mais bon, Twitch c'est Amazon. Hein. C'est pas rien non plus. Évidemment, il y a une petite tomate qui s'est cassée la gueule. Et il recommence. Bon, tu me le trouves mon shiny là. Oh putain, il faut que je fasse le montage après. Ouais. Ça va, elle est moins longue que Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Va être rapide. Fait quoi, 45 minutes? Une heure? Ouais, t'abuses, ouais. Peut-être une heure et demie, je pense. J'ai fait le montage, j'ai déjà oublié. Ah, tempête! Basta! Avec la tempête, c'est horrible. Tu peux pas voir de si loin. En plus, c'est un dur néant. Dans la tempête, j'ai cru plusieurs fois qu'il y avait un doré, tu vois. Ouais. Oh, mais putain! Bah ouais! J'aurais fini mon sandwich, l'autre, il aura toujours pas déclenché le sien. Si on dépasse 30, ça sert à rien que je fasse mon sandwich, en vrai. Et ma soeur. C'est... tomates cerises de merde, là. Ils pourraient pas les mettre à l'envers, au moins ils glisseraient pas. Ah, putain. Ils ont pas pensé à ça, hein, Nintendo. Enfin, ça crée des gros jeux, mais ça peut pas penser à comment placer une tomate dans un sandwich, quoi. Justement, je suis sûr que celui qui a créé ça, il s'est dit ça va faire un peu de challenge parce que c'est trop facile. Qui veut du challenge pour faire du pique-nique, quoi? Pique-nique, douille, c'est toi, l'andouille.
Bon, la tempête, il y a un monde où elle s'arrête ou ça se passe comment là? Tempesta. Bah enfin! Bon, ma tomate elle a 3 couilles, mais c'est pas grave. Et j'ai envie de tomates IRL maintenant. Aïe 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 aïe. Comme tu dis, aïe 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 aïe. On va se prendre un stop par le dernier. Chaton qui embête la lapine. Je reviens. C'est qui gros porc qui a pris un gâteau? La mémé. Putain, on avait pas deviné. Un gâteau fait maison. Aïe. Aïe. Ah, je suis trop grand.
On t'a pas encore trouvé là. Ouais, non. J'ai de plus en plus de mal à bien le check. Hein. Fatigue. Ouais. Je vois aussi. J'ai une musique qui aide pas, bah elle est trop tranquille. Trouvé. Ah ouais? On aura fait deux familles quoi. GG à nous. Vishani 4-4. Tout 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 tout. Il veut pas rentrer. Et puis celui-là aussi c'est 1000 parts. Ah ouais? Ouais, ils doivent tous se trouver d'affilée, ouais. À part Pomme qui est dans les premiers. Y'a quoi, y'a bah, que ces trois-là, en fait. Ouais, je crois qu'il y a que ces trois-là. Et hop là, mille entrées. C'était un stream de type rentable. On a eu un doute au début, quand même. Enfin, tu as eu un doute. Mais du coup, ça veut dire que YouTube aura tout eu d'un coup. T'as dit quoi? Ça veut dire que YouTube aura eu tout eu d'un coup. Ouais, du coup, ouais. Donc ça les a spoilés, en fait, il y en a en avoir un autre. 87, 88, tu peux en ajouter deux, là. 9, 90, du coup, le prochain, il me semble que c'est laisse tomber, là. Je vais me vérifier, ouais, mais... bon, laisse tomber, on fera la prochaine fois. je suis drôle, je le sais. Ouais. Bon, ben voilà, ce fut un... Ah non, c'est pas laisse tomber. Et voilà, il dit encore de la merde. C'est celui d'encore après. C'est qui alors, prochain? Flotillon. Tu sais, l'espèce de truc qui évolue en autruche, là, de type petit. Qu'est-ce que tu vois? Ah ouais, j'en ai un. T'as un djinn? Ah bah. Ouais, Cléopâtre, là, je sais pas. Ouais, Cléopcitre. Ouais. J'en ai un. Ah mais il en reste plus que trois, alors. À voir.
À confirmer. Par contre, le type psy, et il est dans le désert, lui. Donc, ce serait le seul type psy du désert. Ok. Parce que si on va à côté de la championne de type psy, bon, bah là, c'est mort. Parce qu'il est vraiment dur à voir, par contre. C'est quoi, hein? En petite évolution. En gros, tu vois son tout petit bout en dessous, là. Il est marron. La robe? Ah non, c'est le petit bout en dessous, non, encore. En dessous de la robe. Ok. Il va falloir mater un peu, mais... Il va falloir mater sous la robe. Alors que sur Cléopsytra, c'est toute son aile, du coup. Ok. Ah, mais Cléopsytra, du coup, c'est pas lui qu'il nous faut. Enfin, moi, il m'en faut un, mais... Ou deux flottillons, quand même. Bon, écoute, s'il existe dans le désert, je pense qu'on viendra dans le désert, hein. C'est le seul type psy du coin. Oui, je pense qu'il sera le seul, hein. En vrai, c'est un bon plan. Il y est, j'en ai un devant moi. Tu vois là, en dessous, là, il a un marron un peu. Sur mon écran. Et bah, ce marron-là est un marron foncé et pas un marron clair. D'accord. Tu vois, par exemple, là, je le vois pas. Là. Faut être limite derrière lui. Bon, bah, je crois que je vais tuer tous les flottillons. Ce sera plus simple. Ouais, je pense. Je pense que pour le coup, c'est le meilleur truc à faire. Voilà, on le voit. Ok, eh ben cool. On aura terminé un peu plus tôt au final, du coup. Ouais, mais avec deux familles. Avec deux familles en plus, quoi. Niveau rentabilité, on est bien. Et la prochaine fois, si on joue bien aussi, on peut faire deux familles. Hein. Parce que là, il en faut trois et puis il laisse tomber. Ouais. Ça tout va dépendre du premier. Parce que... Laisse tomber, on sait c'est quoi. Il est pas bleu, tant je vais voir. Et son bec, il est gris. Ok. À la place d'être orange. Donc ça va. C'est un truc qui se voit.